In September 2021, near the village of Tamines, France, a master stonemason and his assistant are working on stabilizing two ancient mills on the River Oise. One mill was built about 250 years ago, and the other is from the 17th century. Comment j'ai appris mon métier? Alors j'ai appris, dans un premier temps, j'ai appris mon métier quand je suis arrivé dans le Lot, en autodidacte. C'est-à-dire que je me suis mis à faire des murs en pierre tout seul, pour m'amuser, pour passer du temps, pour tout ça. Et en fait, ça a duré comme ça très longtemps. Et au final, je suis parti en Lozère dans une association qui s'appelle les ABPS, artisans bâtisseurs en pierre sèche, où j'ai passé un diplôme, l'équivalent d'un CAP, en candidat libre, que j'ai eu du premier coup. Et du coup, j'ai créé l'entreprise. J'ai appris les murs en pierre comme ça. Voilà. Trop d'impôts. Si quand je gagne 100 euros, j'en donne 47 à l'État. Inadmissible. Voilà. C'est très très cher. Ouais. Very expensive. Ouais. Very expensive. C'est ça. These mills are among the few that remain along the Oise. Preserving them is important to the heritage of Lot. As I watch the men work together, I see craftsmanship, teamwork, cooperation, and watching out for the safety of each other. If one were to fall, the potential for injury is real. Not that the wall is high, but below the men are the millstones, pits, uneven piles of rocks, and many other hazards. Alors, c'est beaucoup du mur en pierre sèche. On fait beaucoup de calade aussi, du pisé. Alors, le mur en pierre sèche, donc on bâtit dans la tradition ancestrale, en fait, hein, voilà. Et ensuite, la calade, c'est des pierres qu'on plante dans le sol, voilà, qui servaient dans le temps à faire des pavages, quoi, hein, tout simplement, hein, c'était du pavé. Et ça permettait, les Romains l'ont inventé, hein, c'est pas de nous, ça vient des Romains, ça permettait de plus rouler dans la boue, et de plus, les bœufs, les animaux, s'abîmaient moins les sabots, les chevaux, voilà. Sur quoi j'ai travaillé, ben là on est sur des moulins en bas, on ira voir après sûrement, je sais pas. Oui, voilà. Et puis voilà, je sais pas, ouais. Beaucoup les murs. Un peu les abris de berger aussi. Mais j'ai pas de photos, c'est dommage. Les abris de berger, c'est pas mal, on en fait quelques-uns. Et on aspire dans le temps à refaire des caselles. Des caselles, c'est des cabanes ou des pigeonniers qu'il y avait dans les champs où le berger, soit c'était pour que le berger se mette à l'abri, soit c'était pour mettre les grains et le foin à l'abri du mauvais temps. Voilà. Tools are passed back and forth from one man to another as they communicate with each other and inch the stone into place. Sebastian and Benoit are working on the top layer of the mill, placing the large capstones that protect the wall below from rain and moisture. L'hiver, l'été, tout le temps dehors, tout le temps. Jamais, on ne travaille jamais à l'intérieur, tout le temps à l'extérieur. Voilà, c'est le top, c'est super, ouais. Ça, on est libre, en extérieur, ouais. Ouais. These mills are built to last for hundreds of years, even during times of flooding. Because of the unique geology of the region, the river runs underground more than once on its 50-kilometer path. Here, the river is above ground, but just a short distance away, it plunges underground again through a cavern to re-emerge kilometers away. In the past, but as recently as 2010, heavy rains blocked the river's underground passage with debris. This causes floods that can reach over 300 meters in elevation, putting the mills and this ravine underwater and flooding the meadows. J'ai trois enfants, 21 ans, 12 ans et 10 ans, et je pense pas qu'ils feront ce métier. C'est des métiers qui se perdent. C'est des métiers qui se perdent parce que c'est des métiers difficiles. Job is difficult. Okay. Et je crois pas que ça m'étonnerait, non, je pense pas. Non, c'est compliqué parce qu'on est l'hiver, il fait froid, il pleut, on est tout le temps dehors. L'été, il fait très chaud ici sur le Lot, il fait très chaud. Donc c'est compliqué, non, je pense pas.
Non, fais le tour. Je pense pas que les enfants feront ce métier, je crois pas. Oui, ça serait super si j'avais un de mes enfants qui voudrait reprendre, oui. Continuer leur transmettre mon métier, ce serait génial. Ce serait super. Mais je sais pas, on verra. Peut-être oui. Ou même un enfant de... C'est mon ouvrier, c'est Benoît, c'est mon collaborateur, on travaille ensemble. Peut-être qu'un enfant de Benoît me dira, ou Benoît gardera l'entreprise, ou Benoît il est un peu plus jeune que moi. On ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être qu'un enfant, ou les children of de Benoît, aussi, ils diront oui, je reprends. Pourquoi pas, ouais. Merci. C'est un très très beau métier en tout cas. Ouais. These artisans know their craft well. They are skilled in working stone, using modern tools to match the craftsmanship and techniques of an earlier age. They are entrusted with helping to maintain and preserve the heritage of France. With artisans like these, the past is in good hands.